Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. J'ai le plaisir de vous accueillir dans les locaux de nos partenaires Les Échos pour cette table ronde matinale du sommet du bien commun concernant la finance et plus précisément la rentabilité du capital et le bien commun. Je vais vous présenter très rapidement nos invités en commençant par Catherine Casamata qui est professeur de finance à Toulouse School of Economics, mais qui a aussi d'autres activités. Elle fait partie, par exemple, du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers et elle développe un programme entre Toulouse et Polytechnique sur ces questions de finances durables. Sam Golshani est avocat chez White & Case, s'intéresse beaucoup à ces questions, à des positions, on a un peu discuté avant, parfois un peu divergente du consensus qui est en train de se dégager actuellement. Ça sera très intéressant de le faire interagir avec nos deux financiers, deux très gros acteurs de la finance mondiale. Philippe Hildebrand, qui est à distance. Bonjour Philippe, qui est depuis la Suisse. Donc, qui est vice chairman de BlackRock. Je rappelle que BlackRock, c'est le premier gestionnaire de fonds du monde. Je crois qu'on en est à 9 000 milliards de dollars, Philippe. Et qui a été, dans une vie précédente, banquier central. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Et enfin, à mes côtés, Jean-Laurent Bonafé. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe BNP Paribas. Qui est très engagé, la Banque Verte, qui est très engagée depuis plusieurs années dans ce processus de transition à la fois énergétique et sur l'égalité et d'une manière générale sur le bien commun. Donc on va revenir sur tous ces points. Je voulais peut-être, Catherine, que vous nous fassiez une petite minute académique, si vous le permettez, avant ensuite de lancer le débat auquel vous allez participer. Sur de quoi on parle, en fait, on connaît ces deux notions de bien commun et de rentabilité de capital, les préciser peut-être en quelques secondes, et puis de savoir un peu justement quelle est l'ampleur du phénomène, puisqu'on a beaucoup de chiffres qui circulent et on a du mal parfois à s'y retrouver. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je tenais à dire que je suis ravie d'être là à cette table ronde, parce que c'est un sujet de recherche qui est vraiment prioritaire pour TSE. Notamment à travers son centre Sustainable Finance. Et aussi, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est un engagement de TSE dans la durée, puisqu'on anime depuis 2008 cette initiative de recherche avec l'École Polytechnique qui s'appelle Finance durable et investissement responsable, et qui est soutenue depuis 2008 par une dizaine d'acteurs de l'investissement socialement responsable. Donc c'est assez rare pour le souligner. Alors de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, la rentabilité du capital, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la rémunération que vont demander les investisseurs en compensation des risques qu'ils prennent lorsqu'ils achètent des titres, des actions, des obligations sur les marchés. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui définit la rémunération des investisseurs, c'est aussi ce qui va définir le coût du capital pour les entreprises. C'est-à-dire, lorsqu'elles veulent lever des fonds pour investir, c'est le coût qu'elles devront payer aux investisseurs. Et plus la rentabilité demandée par les investisseurs est élevée, plus le coût du capital pour les entreprises est élevé, et moins elles vont pouvoir investir. Et donc, il est important de connaître quelle est cette rentabilité du capital pour le bien commun, parce qu'elle va avoir un impact direct sur la capacité des entreprises à investir dans des projets qui, alors on va le définir de manière très large, auront un impact positif sur la société au-delà de la pure performance financière. Alors Catherine, quel est l'état de l'art, on va dire, dans les calculs de rentabilité ? C'est très très suivi et pour cause, on a affaire à des grands professionnels, les investisseurs institutionnels, etc., doivent calculer ça et avoir des tas de bases de données. Est-ce que c'est rentable, plus rentable, moins rentable d'investir dans le bien commun? Alors, je vais commencer par un premier constat qui est peut-être le plus paradoxal. C'est que, en général, on voit que la rentabilité du capital pour des projets dits responsables est plus faible que, alors, à niveau de risque égal, évidemment, si on change les niveaux de risque, c'est un peu compliqué de comparer, mais à niveau de risque donné, est plus faible que la rentabilité obtenue sur des projets classiques. Je vous donne quelques exemples. Le rendement des obligations vertes est plus faible
de quelques points que celui d'obligations similaires, mais non vertes. Qu'est-ce que ça veut dire, un rendement plus faible? En fait, ça veut dire que les investisseurs, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour ces titres-là. Et de la même manière, il y avait cette étude célèbre de Harrison Ong et Martin Kasperzitz qui montre que les entreprises des secteurs dits du vice avaient une rentabilité plus élevée que celle... Alors, secteur du vice, c'est tabac, armes, casino, tabac, jeux, alcool, etc. Mm. Alors, ça peut paraître une rentabilité plus élevée que ceux de secteurs, disons, plus responsables. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, il faut le voir comme le fait que les investisseurs, ils ne sont pas prêts à payer autant pour ces entreprises. Donc, mécaniquement, leur cours est plus bas. Et c'est ça qui crée cette rentabilité élevée. Et puis, il y a des études plus récentes qui montrent que la rentabilité est plus élevée pour des entreprises qui ont plus de risques environnementaux. Et récemment, Patrick Bolton, encore avec Martine Kasperzitz, a montré que la rentabilité était plus élevée pour des entreprises qui avaient plus d'émissions carbone. Alors, est-ce que c'est grave pour les investisseurs? C'est ça la question, évidemment. En fait, non. Pourquoi? Parce que cette rentabilité qui s'opère sur les, qui se reflète sur les marchés, c'est la manifestation des préférences sociales des investisseurs. Si un investisseur s'intéresse en plus de la performance financière un peu au bien-être social, c'est-à-dire au bien-être des autres, ou si il est parfois content de faire le bien, c'est ce qu'on appelle le warm glow, dans ce cas-là, il va vouloir payer un peu plus cher pour des projets responsables. Ça va augmenter les prix de ses projets et donc diminuer sa rentabilité financière, mais il ne va pas y perdre parce que sa rentabilité globale sera élevée, parce qu'il prendra en compte aussi cet impact social. Et pour les entreprises, c'est très bon parce qu'elles auront un coût du capital plus faible pour pouvoir investir davantage dans des projets qui ont un impact social positif. Alors, je voudrais faire réagir nos deux grands géants de la finance verte. Philippe Hildebrand, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être exposé par Catherine, c'est-à-dire que d'une manière générale, l'investissement dit vert ou de bien commun rapporte moins pour raccourcir que les autres? Et puis, au passage, peut-être vous nous dites, on parlait de ce chiffre de 9 000 milliards de dollars, quelle est la part dans ce portefeuille qui est estampillée d'une manière ou d'une autre, ISR ou ESG? Oui, merci beaucoup, merci d'être parmi vous. J'espère que c'est la dernière fois en virtuel. Ben oui, on espère tous. J'en ai un peu marre quand même, donc... écoutez, je pense que c'était très bien de commencer avec cette discussion de quelque part de trade-off, hein, parce que c'était en fait le paradigme qui dominait cette discussion d'investissement de durabilité depuis 20, 30 ans. En fait, cette niche, elle existe depuis des décennies, notamment en Suisse, il y a toujours eu une petite niche d'investissement durable, mais c'était toujours sur ce contexte qu'on va perdre du rendement si on investit dans la durabilité. Et je pense qu'il faut quitter ce paradigme, notamment autour du climat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est basé sur une comparaison fictive. Aujourd'hui, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe si nous ne faisons rien en ce qui concerne le climat. Donc, et là, évidemment, vous voyez tout de suite que les conséquences sont dramatiques. On sait aujourd'hui, c'est scientifique, si nous agissons pas vis-à-vis ce défi du climat, du réchauffement de notre planète, nous allons perdre autour de 25% de notre économie dans les décennies à venir. C'est un quart de l'économie qui va disparaître. Alors, évidemment, pas tout le monde va être touché en même temps dans les mêmes secteurs, etc., mais c'est des conséquences dramatiques. Donc, en fait, la comparaison d'investir d'une manière durable ou ne pas investir d'une manière durable est une fausse, est une comparaison fictive, c'est une fausse comparaison. Ce qui va changer complètement cette discussion de rendement positif ou négatif si vous investissez ou vous investissez pas dans la durabilité. Aujourd'hui, on n'en a plus le choix. Si un gérant de banque ou d'entreprise ignore ces risques de 25% de perte de l'économie,
je vous garantis qu'il va perdre la valeur dramatiquement, peut-être même dans les années à venir. Donc, je pense que toute la discussion autour du rendement est en train de complètement changer de paradigme. Et c'est pour ça que nous constatons, c'est pour ça qu'on a mis en fait la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons. Nous constatons aujourd'hui une réallocation qui commence, qui va durer des années, à mon avis une réallocation historique, un changement de paradigme, où ne pas investir d'une manière durable, en fait, au moins autour du climat, n'est pas une option, parce que les conséquences sont simplement trop dramatiques. Alors, ne pas investir dans le bien commun n'est pas une option. Où en est cette réallocation au sein du portefeuille de vos actifs sous gestion chez BlackRock? En deux mots, hein, parce que je voudrais avoir le contrepoint de BNP Paribas. On est tout au début, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons à peu près 380 milliards en instruments, en investissement durable. On veut arriver à 1000 milliards, c'est notre but dans les années à venir. Donc, ça reste une petite partie de la totalité de BlackRock, qui est quand même un microcosme, quelque part, de l'économie financière. Ça vous montre qu'on est, à mon avis, tout au début de cette réallocation historique qui va être énorme. Merci beaucoup Philippe Hildebrand. Jean-Laurent Bonnafé, donc BlackRock, c'est 380 milliards sur 9,5 milliards à peu près, qui est un mot peut-être sur vous, vos actifs sous gestion, et puis quand même votre métier qui est celui de banquier et de faire du crédit. Vous avez pris des positions importantes sur les green bonds, sur les crédits impact, et là, dans les taux de crédit, quel est le... On va quand même parler, Philippe, de ce débat sur la rentabilité. Quel est le gap entre un taux d'un crédit normal et d'un taux impact, par exemple? Voilà, donc deux questions. Où vous en êtes dans le cheminement sur l'asset management et sur l'intégration de ces externalités, de cette transformation dans les taux de crédit? Alors nous sommes d'abord une banque commerciale. Donc c'est pour ça que je parlais crédit. Nous sommes une entreprise de services. Et ce qu'on sait dans la banque, c'est que, quelle que soit l'approche, quel que soit le métier, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est la bonne santé des contreparties, c'est-à-dire des clients. Donc, si on regarde la situation telle qu'elle est, on sait qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, ou une activité économique qui n'aura pas fait un horizon plus ou moins éloigné, mais quand même visible, 5 ans, 10 ans, un minimum d'adaptation, va devenir un acteur qui sort du jeu de l'économie normale. Donc c'est un acteur qui ne sera de toute façon pas en mesure d'être accompagné, puisqu'il ne pourra pas, le moment venu, rembourser les financements qui lui ont été octroyés. Donc de toute façon, une banque, quelle qu'elle soit aujourd'hui, et c'est quelque chose qui s'est installé ces dernières années, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 10 ans, c'est venu ces dernières années. Les banques regardent leur portefeuille actuellement, et c'est de plus en plus collectif, avec cette idée qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, va avoir un chemin à parcourir. Et ce qui est important, c'est la quantité de cash flow, donc d'investissement, qu'elle va consacrer à la transition, ce qui lui assure un avenir. Ça, c'est le raisonnement de base d'une banque. C'est bien plus important que la marge qu'on peut avoir sur un crédit, parce que... Dans une banque, avoir une contrepartie qui rembourse ou qui ne rembourse pas, c'est toute la différence entre une bonne banque et une banque qui fait des crédits inappropriés. Bon. Donc ça, c'est en train de s'accélérer. Les mesures, elles sont difficiles à donner, puisque ça reste encore des phénomènes un peu à la marge. Je dirais, nous avons émis, nous sommes un leader mondial, peut-être le leader mondial des green bonds. Ce qu'on observe, c'est que les investisseurs, qui souvent représentent en fait des personnes individuelles, ont plutôt envie de se porter comme financeurs naturels des projets qui vont dans ce bon sens, bien commun. Mmh. Donc ils sont prêts à accepter un coupon, un rendement qui est plus faible. Et donc quand vous prenez un green bond, ou un financement, un bond impact, normalement vous commencez à voir, c'était moins clair il y a quelques années, mais vous commencez à voir un avantage. C'est-à-dire que celui qui vient sur un marché en disant « voilà, je lève de l'argent pour conduire un projet qui a un effet, disons, global, positif », il peut trouver un financement moins cher. Ah oui, c'est ça, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que vous venez de... Oui. Mmh. C'est ça ce qui se passe. Donc, vous avez un emprunteur
Il dit, ben voilà, moi, pour une partie de mon activité, j'assois mon besoin de financement sur un projet qui a un impact positif. Ça peut être une usine de batterie pour l'automobile, ça peut être une installation de recyclage au sein d'une entreprise plus globale qui, par ailleurs, est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, vous voyez des investisseurs qui, petit à petit, acceptent de recevoir un coupon à rendement plus faible. Ce qui contribue à faire que... Ah, du côté de l'investisseur, oui. Donc l'entreprise va quand même payer plus cher. Non, l'entreprise va payer moins cher. D'accord. Donc l'investisseur qui souvent... Il abandonne une partie de son gain potentiel. Il n'abandonne pas. Oui. Le gestionnaire d'actifs, il représente des personnes, souvent des family office, des clients, des particuliers... qui demande d'investir d'une façon qui lui convient. Alors, il y a l'approche traditionnelle, le secteur X, le secteur Y. Puis, il y a cette approche nouvelle qui s'est installée et qui est de plus en plus puissante, qui est, moi, de toute façon, peu m'importe le secteur, ce qui m'importe de plus en plus pour moi, mes enfants, mes petits, puis pour demain, le monde entier, c'est que ce soit fait sur des projets qui ont un sens. Bon. Et je suis prêt, dans une certaine limite, dépendant de la qualité du projet, à recevoir un coupon plus faible. Donc l'entreprise qui éventuellement est en train de conduire un projet qui, au début, parce qu'on peut en parler, peut être moins rentable, parce que la masse critique, il y a une plus grande R&D, il y a un peu plus de risques à entreprendre, l'entreprise touche un financement qui est un peu moins onéreux. Ça, c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête. Et dans la banque, ça va se passer comme ça. On fait, chez nous, du crédit à la consommation automobile, financer des automobiles. Quand c'est des autos vertes, hybrides, nous avons des pricing qui sont plus faibles. Donc tous les acteurs économiques, nous en particulier, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de la vitesse, sont en train de donner des avantages aux projets qui vont dans ce sens. Alors ce qui est important, c'est que en fait, le monde ne se divise pas entre les entreprises qui ont tout juste, ou les acteurs économiques qui ont tout juste, et puis celles qui auraient tout faux. C'est pas green et sin, quoi. C'est un peu plus compliqué. En fait, ce qui est important, je dirais, c'est comme les élections. C'est que la très vaste majorité des entreprises, des acteurs économiques, chacune chez elles, fasse le travail. Parce qu'on voit bien que si on disait à tous ceux qui ne sont pas nés exactement au bon endroit, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement compatibles avec ce qu'on veut faire demain, ce qui est en fait la majorité des entreprises, s'il fallait dire, bon, vous vous arrêtez et on va créer d'autres entreprises qui vont faire le travail, c'est juste impossible. Donc ce qui est important, et ça je pense que c'est le travail des gestionnaires d'actifs qui votent dans les assemblées générales, qui émettent des doctrines, des règles de plus en plus précises. On est aussi asset manager, les compagnies d'assurance. Les banques, quand on a des politiques sectorielles, on émet des signaux de plus en plus forts sur vous êtes dans un secteur donné, il y a une certaine technologie qui est disponible pour, dans votre secteur, faire mieux. Je résume, nous vous invitons à en consommer davantage, à investir et à consacrer plus de vos cash flows à ces nouvelles approches. Et dites-nous dans une vision, ça dépend des métiers de 5 ans, 3 ans, 10 ans, où vous en êtes. Si vous progressez, on vous suit. Si vous ne progressez pas, à un moment, on vous abandonne. D'accord. Alors, Sam Gauchain, je voulais vous faire réagir aux trois interventions. En particulier de de BlackRock et de BNP Paribas, on a l'impression que c'est un phénomène, ce n'est pas une option, disait Philippe Hildebrand. Jean-Laurent Bonnafé parle de transition inéluctable et qui s'accélère. Même si on n'en est qu'au début, hein, je crois ce que disait Philippe Hildebrand, là, je pense que vous aussi, les fonds ISR, c'est important, mais ça ne représente pas encore la majorité. Non, mais dans le bilan de la banque, on a des centaines de milliards de financements qui sont déjà compatibles avec les principes de l'ONU du développement durable. Alors, moi, ma question, Sam, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, de toute façon, on n'a pas le choix? Ce n'est pas une option. Donc, à la limite, il n'y a même plus de débat, ce que disait Philippe Hildebrand. Le débat sur la rentabilité, il n'a plus tellement lieu d'être. Ce n'est pas tout à fait ce que disait Jean-Laurent Bonnafé. Quelle est votre réflexion sur cette évolution et cette accélération? Nous, on le voit bien, hein, comme médias et journalistes, on a beaucoup de signaux de communication. Certains appellent ça le greenwashing. Moi, j'ai un biais, parce que comme je suis libéral, je pense qu'on a toujours le choix. Donc cette idée que les choses sont inéluctables, j'ai du mal à y croire, en tout cas, peut-être sur le plan religieux, mais sur le plan économique, j'y crois peu. En revanche, ce que je vois modestement en accompagnant nos clients, qui sont souvent des fonds d'investissement, c'est qu'on est confronté à deux sujets qui créent de la concurrence, qui sont potentiellement
créateurs de richesses. Le premier point, et on en a parlé rapidement, c'est cette idée d'obsolescence des bilans des sociétés. C'est-à-dire une société qui ne veut pas se transformer dans le contexte actuel. C'est un champ, on parle beaucoup de changement climatique. Moi, j'ai une autre marotte qui est l'accès au capital des salariés. Et ça participe à la même chose, c'est-à-dire ces phénomènes de transformation qui permettent à une société, en réalité, d'être plus efficiente. Donc, si ces sociétés ne veulent pas faire ces changements-là, elles prennent le risque, à un moment donné, de ne plus avoir un bilan qui pourra être financé demain. Voilà, ça, demain. Et donc, ça rejoint un petit peu le discours du banquier. Il n'a pas tellement envie de prêter. Et donc, ça, c'est une décision du chef d'entreprise et, en réalité, de ses actionnaires, de dire « Est-ce que je prends le risque d'avoir un bilan qui sera obsolète dans quelques années parce qu'il ne pourra plus être financé ?» Jusqu'à là, vous êtes d'accord. Et donc, se crée une concurrence entre les sociétés, entre ceux qui veulent faire ces changements-là et donc qui sont prêts à prendre des risques et donc d'allouer une partie de leurs ressources à cette transformation, et d'autres qui disent « Eh bien, moi, je ne crois pas à l'avènement du numérique, je crois que le papier va rester le média naturel pour l'écriture et que j'ai raison et tous les autres ont tort. Bon. » Et il y a des exemples d'études, Kodak est un exemple d'étude très intéressant. Je crois que c'est Harvard qui a fait une étude sur Kodak et la manière dont une société qui était très technologique dans les années 60, en réalité, disparaît, faute d'avoir fait cette transformation de son bilan, donc n'est plus financée. Bon. Et c'est là où ça rejoint un petit peu les gens que je conseille habituellement, on voit bien que des fonds comme TCI et autres commencent à venir taper à la porte des entreprises en disant... Monsieur Vinci, qu'est-ce que vous faites pour le climat? Monsieur Total, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on voit bien que des fonds qui cherchent la rentabilité à court terme pour leurs propres investisseurs voient dans ce choix d'obsolescence du bilan un élément déterminant de création de valeur pour l'entreprise et donc ils viennent se rappeler au bon souvenir des entreprises en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour cette transformation? Et moi je crois que si des gens aussi sophistiqués que des fonds actifs réfléchissent à ce sujet, les entreprises doivent se poser la question de l'obsolescence de leur bilan. Ça, c'est le canari au fond de la mine qui est là et qui chante. Donc ça, c'est le premier sujet. Et à ça s'ajoute un deuxième sujet, qui est un peu matriciel, tout ça, c'est plus vous avez des gérants d'actifs qui allouent de l'argent sur ces projets long terme du fait des choix de leurs investisseurs, Family Office qui dit « je veux faire ça », tel fonds de pension qui dit « je veux allouer », plus vous avez une manne d'argent qui attend d'être allouée, qui attend d'être déployée. Et donc là, les entreprises, pareil, vont être en concurrence pour aller pouvoir bénéficier de ces financements. Et là, on retombe sur le phénomène que vous avez décrit, qui est qu'en réalité, on réduit le coût de son capital, on réduit le coût de son financement en faisant cette transformation de son bilan. Donc, ce qu'on dépense pour se transformer, en contrepartie, ça donne accès à un financement moins cher et plus qualitatif, d'une certaine façon. Et là encore, se crée une concurrence entre les entreprises. Et je crois qu'il est là, le choix. Le choix, c'est est-ce qu'on veut avoir du capital à long terme de qualité moins cher? Et si on veut avoir ça, est-ce qu'on est prêt à faire les transformations que le marché nous demande sans nous poser la question au fond, et ça c'est mon propos personnel, mais sans se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est efficace pour l'entreprise? Et aujourd'hui, une entreprise doit nécessairement se poser la question de sa transformation pour avoir accès à ce financement. Moi, j'avais une question sur en fait, la mesure de la transformation. On a un brillant ingénieur, vous travaillez aussi avec Polytechnique. Comment on calcule ça? Est-ce qu'il y a des facts and figures? Parce qu'on a beaucoup de discours, on a des valorisations très élevées, puisqu'il y a beaucoup d'argent. Ce que disait, on est dans un marché libéral et concurrentiel, où effectivement, les investisseurs, l'épargne se flèche plutôt. Donc c'est un argument de vente aussi, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on calcule qu'il n'y a pas, ou on vérifie qu'il n'y a pas un moment... une information trompeuse, etc. Je sais que l'autorité des marchés financiers, la CPR, se sont penchés sur le sujet. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission a tiré une sonnette d'alarme là-dessus, sur une espèce de bulle verte et un peu boîte noire en même temps. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce qu'on a des éléments tangibles où chaque acteur développe ses propres instruments, ce qui fait que ça devient un peu compliqué?
La situation est encore un peu compliquée, si je puis me permettre de répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on mesure la performance sociale, l'impact positif ou négatif d'une entreprise par son activité sur son environnement? Alors, il y a deux aspects. D'abord, il faut que l'entreprise, évidemment, divulgue des informations. Et sur cet aspect reporting, divulgation d'informations, le problème auquel on fait face, c'est que on n'a pas encore une harmonisation complète de la manière de faire ces calculs. Donc c'est un premier souci. Mais du coup, c'est un peu difficile quand on voit ces chiffres de les comparer parce que les manières de calculer ne sont pas les mêmes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de standard international. Alors l'Europe a sorti une directive pour amener à des standards de reporting harmonisés, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis on a aussi... Alors le problème, c'est que la performance sociale, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a le climat, il y a les salariés, il y a la qualité des produits, il y a l'environnement, enfin, il y a beaucoup de choses. Et comment fait-on pour avoir une mesure de cette performance sociale? En général, c'est ce que font les agences de notation extra-financière. Et maintenant, même toutes les agences de notation financière rajoutent ça. On met des notes qui agrègent ces éléments. Donc on part de mesures qui ne sont pas toutes à peu près les mêmes, et puis on les agrège. Et un des soucis actuellement, c'est que cette agrégation à travers ces fameuses trois notes ESG, elle est assez disparate, en fait. Elle est très différente d'une agence de notation extra-financière à l'autre. Donc il y a eu une étude récente qui a été faite là-dessus, qui montre que même sur un même critère, en fait, les agences soit ne mettent pas le même poids sur toutes les mesures qui vont constituer ce critère, donc elles ne vont pas refléter la même importance, soit les calculent différemment. Et donc il y a beaucoup de variances entre les critères. Donc c'est un peu compliqué. Philippe, il demande peut-être un mot sur... on a parlé de l'Europe qui essaie d'harmoniser tout ça, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur la normalisation, on va dire, de ces critères. Et quelle est, vous, votre méthode et votre vision? Est-ce qu'il faut... des critères internationaux comme il y a par exemple pour la comptabilité bancaire, ou les... est-ce que c'est une bonne méthode, ou finalement il faut avoir une méthode peut-être plus, je ne sais pas, chacun doit avoir une sensibilité différente à partir du moment où elle est transparente. Quelle est l'approche stratégique qu'a BlackRock sur le sujet? Catherine a absolument raison, je pense que c'est le défi principal. Si on veut activer le capital qu'il nous faudra pour adresser, restons juste un moment dans le climat, on sait aujourd'hui qu'il faudra 3 000 à 6 000 milliards par année pendant des années à venir, des décennies peut-être même. Ça sera principalement de l'argent privé, donc le public est important pour mettre des incitations, des signaux, mais finalement, le financement de cette transition, elle doit venir du privé. Donc il nous faudra une mobilisation de capital énorme. Et pour ça, il nous faut aussi des standards. Et donc ça, c'est effectivement aujourd'hui le problème principal. Dans le domaine du climat, on est plus avancé qu'ailleurs, mais ça reste très compliqué. Je pense qu'il est essentiel qu'on essaye de tout faire ce qui est possible pour arriver à des standards internationaux. Et je pense que la comparaison que vous venez de faire avec accounting est tout à fait raisonable. Nous avons mis beaucoup de temps là. Ça a mis du temps d'avoir des normes comptables internationales. Malheureusement, on est un peu parti dans les deux. Bon, il y a des problèmes américains qui faisaient même pas partie du débat. Il y avait cet effort côté européen qui était admirable, mais en même temps qui était très limité. Donc, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire avec la nouvelle administration à Washington, notamment avec John Kerry, pour justement essayer de le convaincre. Il nous faudra absolument essayer de converger vers des standards internationaux. Ça sera difficile, c'est très compliqué, comme Catherine l'a dit, mais si nous voulons mobiliser ce capital privé à ces sommes énormes qui vont être nécessaires pour financer la transition, il est essentiel qu'on développe des standards rapidement. Dans le domaine du climat, il y a beaucoup, il y a vraiment énormément de progrès qui étaient faits dans les années à venir. D'abord d'une manière volontaire, de plus en plus ça devient quand même, oui,
on est forcé par les gouvernements de suivre. Donc ça, c'est le processus qui doit maintenant évoluer. Heureusement, je dirais la bonne nouvelle, c'est que la technologie nous aide. Donc ça, c'est un domaine où l'intelligence artificielle, data sciences, tout ça nous aide à avancer plus rapidement peut-être qu'on aurait pu le faire dans une autre période. Mais Catherine a absolument raison. C'est le défi principal toujours pour pouvoir mobiliser ces sommes énormes qu'il nous faudra dans les années à venir, et il nous faudra ça rapidement. Il nous faut des standards, de la transparence pour y arriver. Merci, merci Philippe Telbrand. Jean-Laurent Bonnafé, est-ce que vous êtes d'accord quand Philippe disait pour mobiliser tout cet argent, ces milliers de milliards de dollars qu'il va falloir pour financer, il faut des standards internationaux? Au même titre qu'on a fini par... c'est toujours en évolution, c'est pas tout à fait la même chose sur les risques prudentiels. On a fini par les avoir en matière de comptabilité financière. Alors... Je suis tout à fait certain qu'on y soit. Et si on prend juste les normes comptables, la sphère anglo-saxonne américaine a poussé... Voilà, ce que disait Philippe aussi, c'est qu'on est... Que l'Européen a fini par acheter, autant qu'au même moment, l'Américain se disait finalement les US GAAP, c'est pas mal. Donc en fait, on est dans deux lobes très différents. Alors, qui va prendre le pouvoir? Est-ce que c'est Standard & Poor's? Est-ce que c'est les autorités, les gouvernements, l'ONU? Ce que je pense, c'est que dans ESG, il y a des dimensions très différentes. La partie, disons, environnementale au sens transition, là, il faut des métriques extrêmement sophistiquées, extrêmement lourds et sérieux. On ne les a pas. Pour une raison simple, c'est que souvent, ceux qu'on regarde, ceux auxquels on s'adresse, auxquels on prête, et c'est on prétend qu'on fabrique son bilan, et c'est le bilan, il faut le refléter. Souvent, les informations, on les a de façon incomplète. Donc, il va falloir construire ces informations. C'est un sujet de supply chain. Il faut construire les informations. Aujourd'hui, on ne les a pas. Dans d'autres sujets, gouvernance, tout ce qui concerne la société, l'inclusion, je pense qu'on pourrait aller plus vite, plus loin, parce qu'en réalité, c'est plus simple. On a besoin de moins de métriques pour aller plus vite et plus loin. Par contre, là, on est sur des sujets où les cultures sont différentes. Et ce qui est bien un endroit n'est pas nécessairement bien un autre endroit. On peut relativement, raisonnablement se mettre d'accord sur est-ce qu'une installation, une technologie libère du CO2. Bon, ça, c'est un ingénieur dans toutes les langues va arriver plus ou moins à la même conclusion. Le SLEG, ça, c'est des éléments de culture qui peuvent être assez radicalement différentes. Ce n'est pas, à mon avis, un sujet de métrix. Donc, de façon pratique, nous sommes une entreprise, et de toute façon, on n'a pas le temps d'attendre les normes globales qui viendront, ou qui seront mises en cohérence, plutôt. Donc, il faut avancer. Je ne suis pas venu avec un slide de BNP Paribas pour faire de la réclame, mais à l'Assemblée Générale ou dans notre communication financière, on a en général un slide qui montre sur toutes les agences extra-financières comment on se comporte année après année. Donc, de toute façon, il n'y a aucun problème, il faut progresser quelle que soit l'agence, parce qu'aucune agence extra-financière n'a la vérité. Et la meilleure façon de s'en sortir, c'est de s'assurer qu'à peu près, quelle que soit l'agence, on progresse. Et ce n'est pas parce qu'on aura progressé dans les yeux des agences que le surlendemain, on va continuer à progresser, parce qu'en réalité, eux-mêmes affinent la façon dont ils nous regardent et dont ils nous observent. Donc, sur la partie environnement, c'est en train de venir. Les Européens, les banques européennes ont développé PACTA, qui est une méthodologie de comptabilisation. Donc c'est assez puissant pour tout ce qui est le bilan. C'est un peu moins puissant pour ce qui est le hors-bilan. Ça vient. Il y a des coalitions entre banques qui sont en train de se monter, la Net Zero Banking Alliance récemment. Les banques américaines sont rentrées puissamment, ce qui n'est pas le cas il y a encore deux ans dans ces sujets. Je disais, il y a un vrai changement Donc les conversations ont lieu. On va rester, à mon avis, pendant très longtemps dans un monde imparfait où on ne pourra pas faire converger. Au mieux, ça peut converger dans 10 ans, ce genre de normes. Mais dans 10 ans, il faudra avoir vraiment taillé la route. Il n'est absolument pas question d'attendre 10 ans. Donc de toute façon, avec les moyens du bord, d'une certaine façon, compte tenu du point dont on part, il est assez simple, avec des outils encore un peu frugaux, de montrer qu'on s'est amélioré. Donc, moi, je pense que la moitié de ce qu'on appelle la transition vers le zéro carbone peut se faire avec les moyens actuellement. Il n'y a aucune excuse pour ne pas avancer. Les moyens suffisent. Par contre, pour finir le geste, l'autre moitié, il va falloir des outils beaucoup plus précis. Parce qu'à un moment, là, on risque de se tromper et la transition pourrait coûter très cher au sens économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la transition bouleverse les méthodes économiques, peut créer de l'emploi, mais pas en détruire. Et très rapidement, on peut être rattrapé par d'autres sujets
qui sont l'inclusion, la capacité à offrir une situation à tout le monde, etc. etc. Mmh. Bon. Donc, il faut se préoccuper et s'intéresser, investir sur les méthodologies. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui le font, les régulateurs, les superviseurs, les pouvoirs politiques, les parlements, les entreprises. Ça avance, ce sera toujours un peu plus lent et plus long. Mais on a suffisamment d'éléments pour faire un travail que je qualifierais d'efficace pour au moins les 7, 8, 10 prochaines années. Mais on va avoir vraiment besoin de ces méthodologies pour finir le geste. Parce qu'il y a un moment, ça va devenir anti-économique si on n'a pas un peu plus de précision dans la façon dont on s'y prend. Sam, on a toujours tendance à avoir une vision caricaturale du libéralisme en disant il n'y a pas d'État. Pour les libéraux, il doit vraiment être... Mais pour les libéraux, l'État a quand même une importance pour fixer un cadre au marché. Est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics, des agences, des banques entre elles, qui doit faire ce travail de normalisation et s'il faut le faire? Moi, il ne peut pas y avoir de marché s'il n'y a pas d'état de droit. Et pour qu'il y ait un état de droit, il faut un cadre. Et ce cadre, il est sanctionné par une organisation politique qui est l'État. Donc l'idée qu'on puisse vivre sans État tout en ayant un état de droit, ça paraît contradictoire. On est bien d'accord. Ce que je disais, on a toujours tendance à sous-estimer le rôle de l'État dans la théorie libérale. Pour revenir à l'état de droit, c'est quand même le plus important puisque c'est... Est-ce que c'est des lois qui doivent faire ce travail-là? Alors, ou l'état est-ce de droit, ce n'est pas simplement les lois. C'est-à-dire, quand on regarde le marché, et si on regarde le marché sur les... Allez, on va regarder sur les 100 dernières années. On va voir que sur les 100 dernières années, au fur et à mesure... d'engagements qui sont pris par les sociétés. Et souvent, d'ailleurs, ces marchés sont des personnes morales privées, hein, sont des marchés privés. Eh bien, il y a le régulateur, puis les États ont commencé à sécréter des normes. Et moi, je suis d'accord avec 10 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour que les normes rattrapent la réalité. Donc, on va avoir sur les prochaines... Vous partagez tous cette opinion-là sur les 10 ans? Moi, ça me paraît dans très longtemps, vu la vitesse du phénomène, mais... La sécrétion des normes, hein, pas oui. Sur le... Philippe, Catherine... On a conduit des automobiles avant les permis de conduire. Oui. Faut quand même dans une dizaine d'années, on aura des normes mondiales, vous pensez? Alors, je ne sais pas si on aura les normes... vous voulez dire en termes de mesures? En termes de mesures et de maîtrise, que l'équivalent de ce qu'on a sur la comptabilité, par exemple, financière. On aura une base. Alors, moi, la comptabilité, ça a pris plus longtemps que 10 ans. Ça arrivera un peu avant 10 ans, mais je suis peut-être optimiste. Philippe, vous qui avez un pied sur chaque continent... Oui, moi, je pense que c'est à peu près raisonnable. Ce que j'espère, c'est que l'Europe peut vraiment aussi développer des normes européennes. Hein. Puis après, ensuite, qu'on puisse converger d'une manière équitable. Ce qui serait pas bien, honnêtement, notamment dans les domaines ESG, si des valeurs américaines s'imposent à travers des normes américaines sur des entreprises européennes. Donc, je pense que là, il y a un vrai défi. Je sais que la directive est en révision de non-financial reporting actuellement en Europe. C'est très important pour moi que l'Europe puisse vraiment se manifester aussi d'une manière claire dans ce développement des normes. Sinon, on aura des problèmes s'il n'y a que des valeurs américaines ou même plus okay, extrêmes. Donc on est à peu près tous d'accord comme quoi bon, ça commence. Et il y a ce petit combat États-Unis-Europe avec qui va avoir le leadership. Oui. On aura une concurrence des normes comme on l'a eu en comptabilité. Et les sociétés qui sont des émetteurs sur plusieurs marchés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis et parfois dans les deux, vont devoir un petit peu faire le grand écart entre les différentes normes. Donc moi, il va falloir prendre ce temps long pour que le régulateur, les États, puissent sécréter des normes qui s'appliquent. Mais entre-temps, de toute façon, les sociétés, pour avoir accès à ces financements, on revient sur ce qu'on disait au début, vont devoir transformer leur bilan, vont devoir prendre des actions, ne serait-ce que pour pouvoir avoir accès à des actionnaires, à des financiers. Là où je crois qu'il y aura quelques désillusions, c'est que le fait de s'engager sur la transformation climatique, sur l'accès des salariés, sur des sujets d'inclusion divers et variés, ça ne peut pas remplacer l'efficacité économique. Et que donc, il y a des entreprises qui vont croire qu'en cochant les cases, et donc en allant expliquer à ces agences de notation que quelque part ces entreprises font tout bien, eh bien, ça suffira pour
pour leur permettre d'avoir des actions qui seront cotées au bon niveau et de pouvoir avoir accès au financement. Et je crois que là, on va avoir des désillusions, puisqu'il faut, en parallèle de cette transformation du bilan, continuer à être un acteur économique efficace et donc être profitable et être capable de créer de la richesse. L'ESG ne doit pas être une excuse pour une cache-sexe d'une mauvaise gestion. Oui, on a vu des débats sur la place de Paris récemment avec un grand groupe agroalimentaire qui tournait un peu autour de ça. Avec des fonds actifs qui viennent taper à la porte en disant « ce que vous dites, c'est très bien et on est d'accord avec ça, mais où est-ce que vous en êtes sur la création de valeur ?» Et je crois qu'il ne faut pas que les entreprises oublient qu'on ne peut pas faire ce changement-là si on ne crée pas de valeur. Parce que c'est cette valeur-là qui va être redistribuée via l'investissement dans le changement climatique, l'accès des salariés, enfin toutes les choses dont on a parlé. Dans rentabilité du capital, donc il y a la rentabilité, mais il y a aussi, donc, pour calculer cette rentabilité, il y a la valeur du capital. Est-ce que vous considérez que ce secteur est survalorisé? Puisqu'on entend parler beaucoup de bulles vertes, où effectivement, vous disiez, finalement, les valeurs SIN sont décotées, donc peuvent offrir pour les investisseurs des bonnes opportunités d'investissement, en tout cas à court terme. Est-ce que là, il n'y a pas un biais qui s'est fait du fait de cette... On l'a décrit, cette abondance de liquidités qui arrive sur un secteur qui finalement n'est pas très large eu égard aux 3 000 milliards de dollars qui vont arriver, dont parlait Philippe Hildebrand. Est-ce qu'il y a une bulle? Alors, ça, c'est une question à laquelle, malheureusement, on aimerait bien répondre, mais c'est assez difficile. Mais vous voyez les facts and figures. Oui, mais alors, justement, pour les académiques, il n'y a rien de plus difficile que d'identifier une bulle avant qu'elle éclate. Dommage. Donc voilà, ça fait partie des problèmes. Juste pour revenir sur cette histoire des SIN stocks, il ne faut pas voir ça comme une opportunité des investisseurs. C'est juste que... on n'a pas très envie de les détenir, ces actions. Mmh. C'est ça qui fait que leur prix est plus bas. Donc, je ne verrais pas ça comme une opportunité. Ensuite... C'est peut-être aussi, excusez-moi, les valeurs qui sont le plus susceptibles de se transformer. Vous prenez le tabac, patron d'un grand groupe de tabac, il vous explique qu'il ne fera plus de tabac dans 10 ans. Hein, alors, ça pose une vraie question qui rejoint un peu cette question de l'activisme et qui rejoint aussi la question de quelles doivent être les stratégies d'investissement des gérants de fonds ou des banques. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les entreprises qui sont déjà vertueuses, responsables, vertes, chères et chères, donc, pour toutes les raisons qu'on a évoquées? Est-ce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact, ou est-ce qu'il ne faut pas cibler des entreprises qui ne sont pas encore dans cette transition pour non seulement accompagner, mais peut-être déclencher cette transition? Et ça, c'est une grande question dans les stratégies d'investissement. Est-ce qu'il faut faire du best in class, je récompense ceux qui sont bons, ou est-ce qu'il faut faire de l'engagement? Au contraire, Catherine, on va avoir la réponse. On va avoir la réponse. La stratégie des firmes. Deux des plus grands patrons des plus grands groupes d'asset management du monde qui vont nous répondre. Alors, quelle est la bonne stratégie? Vous n'êtes pas comme les académiques. Vous êtes capable, a priori, de dire s'il y a une bulle ou pas. Vous payez des armées d'analystes pour le faire. Est-ce qu'il y a une bulle? Et quelle est la stratégie que vous mettez en place? Est-ce qu'il faut mieux acheter cher donc des valeurs bien vertes et bien propres aujourd'hui, ou miser, comme le disait un peu Jolan Bonafé, sur la transition à moyen long terme, auquel cas, pourquoi ne pas acheter du Philip Morris? Peut-être Jean-Laurent Bonafé? Alors, pour ce qui est du tabac, nous avons pris l'engagement d'être une banque sans tabac. Donc on ne finance pas du tout. On n'accompagne pas avec notre asset manager ni notre compagnie d'assurance. Donc ça s'appelle stratégie d'exclusion. Voilà, parce que les dégâts sur la santé en général sont juste monstrueux. Donc ça, c'est un sujet qui dépasse ces sujets de rentabilité. Il y a de toute évidence, une fois que le virus sera passé, on va redécouvrir qu'il y a des vraies maladies
celles qui sont malheureusement plus ou moins inévitables, et puis celles qu'on se crée nous-mêmes en ayant des usages déviants. Manifestement, le tabac en fait partie. Et donc, il y a maintenant 3 ans, je crois, nous avons décidé de rejoindre une coalition qui d'ailleurs a été créée depuis l'Australie, Tobacco Portfolio Free, et donc qui fait que nous ne finançons aucune entreprise qui est dans le secteur du tabac, dans la chaîne de la valeur, ni notre asset major n'investit dans ces sociétés. Ok, donc ça c'est exclu. Maintenant, sur la stratégie. En général, il faut une approche que je qualifierais de bon père de famille ou bonne mère de famille. Il faut de la diversification. Prenez l'automobile. Vous avez un leader qui tout d'un coup s'est levé, Tesla, qui a fait gagner peut-être 10 ou 15 ans de prise de conscience au monde entier. Mais je vais vous le dire, à la fin de la journée, 80% du travail aura été fait par tous les autres qui tout d'un coup se disent « bon, je réalloue mon cash flow ». Ceux qui disaient il y a encore 5 ans « mais le diesel à horizon 2050, c'est la solution pourvu qu'on l'améliore », sont les premiers à dire aujourd'hui « mais pas du tout ». En 2030, en Europe, le thermique, c'est fini. Il y aura au moins de l'hybride ou du pur électrique. Et donc, vous pouvez avoir des groupes dans ce secteur en Europe, et c'est pareil aux États-Unis, qui vont investir tous les ans maintenant 5 à 10 milliards de leur cash flow pour créer le futur. Ce qu'on finance fondamentalement, par exemple, comme banque globale sur ce secteur, c'est des usines pour fabriquer des voitures qui sont comme ça. Plus les usines d'y même il y a 2 ans. Donc, si vous voulez... Alors, au jour d'aujourd'hui, je vous interromps, est-ce qu'on achète plutôt du Tesla, qui a une valorisation stratosphérique, ou plutôt du Renault, qui est plutôt à la casse, et on se dit, ils vont y arriver. Là, on est dans une... Non, mais c'est intéressant, c'est quand même le fond du sujet. Je pense qu'il m'est interdit de donner quelques conseils que ce soit. Normalement, si les prix reflètent bien tout ce qu'on sait du futur... Mais vous voyez, un leader qui va démarrer plus tôt, qui va accéder... non pas par le financement au sens classique bancaire ou obligataire, mais par des apports en capitaux d'actionnaires qui sont tous les jours plus nombreux, c'est ce qu'a fait Tesla. Ils financent par des apports en capitaux. Et qui fait que, parce qu'ils sont particulièrement bien réveillés, particulièrement bien équipés en technologie, particulièrement déterminés, très bons gestionnaires, etc., ils finissent par créer une part de marché qui leur est propre, qui fait que dans le monde de demain, même s'ils sont rattrapés par d'autres, ils auront créé une part de marché qui avant n'existait pas. Donc ça mérite une valeur importante. Mais c'est pareil, tous les autres sont également réveillés, tous les autres ont compris que de toute façon, les citoyens, les villes, enfin tout le monde attend des automobiles dites propres. Alors après, il faudra en discuter, parce qu'une automobile propre, qu'elle soit recyclable, y compris sa batterie... Jamais rien n'est 100% propre. C'est toujours plus compliqué, toujours beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, comment dire ? Il y a dans un secteur donné toujours un leader à un moment qui est un disrupteur, enfin c'est le terme à la main, il se lève, il va plus vite, c'est un mélange à la fois de chance mais surtout de talent, et puis voilà. Et puis tout d'un coup, tous les autres qui sont là, ils disent, bah, nous aussi finalement. Et souvent, ils ont presque plus de technologie, sauf qu'ils ne l'ont pas mise en ligne ou mise en force, parce qu'ils pensaient que ça serait sur un temps beaucoup plus long, et ma foi. Et donc, que ce soit l'automobile, l'énergie, c'est pareil. L'énergie, vous avez quelques nouvelles entreprises qui sont créées, qui sont allées directement dans le renouvelable, qui ont financé avec du fonds propre, qui ont mis au point des technologies, qui sont devenues très rentables, et qui ont des multiples très élevés. Mais vous voyez aussi des grands groupes, prenez ce qui s'est passé en Europe sur les 2 dernières années, les groupes pétroliers, tout d'un coup, ils pivotent. Ils décident, petit à petit, et à mon avis, à un horizon très visible, majoritairement, leur cash flow va être le renouvelable. Ces gens sont nés dans l'énergie, ils ont des portefeuilles, une profondeur qui font que s'ils font ça, ils seront au rendez-vous demain. Donc si vous voulez, et c'est là où c'est important, dans la classe, quand vous avez, moi je suis petit-fils d'instituteur, vous avez, mettons, 20 gamins, pour faire monter la moyenne de la classe, vous pouvez dire au premier de la classe... non seulement d'avoir 10 sur 10, mais plutôt 15 sur 10, mais ça ne va pas suffire. Ce qui est important, c'est que tout le monde prenne un demi-point, 3/4 point, un point, un point et demi, 2 points. En fait, je pense que l'économie va fonctionner comme ça dans ces transitions. Des leaders qui vont nous faire basculer, j'allais dire presque émotionnellement, dans un futur qui n'existait pas, et d'autres qui vont s'y coller, parce que c'est le jeu de la concurrence et de la compétition. Mais il faut vraiment faire levier sur ces entreprises qui sont l'essentiel de l'économie, parce que sinon... ça veut dire que vous prétendez gagner la partie avec quelques leaders. Mais qu'est-ce qu'on...
on aurait pu ne pas avoir de Tesla. D'accord. Donc, on a du Tesla et du Renault en portefeuille pour répondre à ma question. Philippe, je voulais vous faire réagir sur les propos de Jean-Laurent Bonnafé. D'abord, est-ce que vous pratiquez, là, on parlait d'un secteur, il y en a peut-être d'autres chez BNP Paribas, mais est-ce que vous pratiquez l'exclusion de certains secteurs? Est-ce que c'est une approche qui se pratique chez BlackRock? Deuxièmement, est-ce que vous considérez qu'il y a une bulle ou pas sur ces bons élèves, ces premiers de la classe, qui sont peut-être un peu trop bien notés par les marchés? Et quelle est votre stratégie? Est-ce que c'est bon père de famille, bonne mère de famille, avec j'ai le premier de classe, mais j'ai aussi celui qui va s'en sortir grâce à moi d'ailleurs? Oui, alors d'abord, oui, l'exclusion fait partie de la stratégie, là où on peut. Donc, il y a eu des exemples qui étaient mentionnés. Je dirais sur la transition, on a devant nous la plus grande transition de l'économie dans l'histoire de l'humanité sur les prochains quelques décennies. Donc, il faut bien se rendre compte que cette transition va être énorme. Donc, évidemment, il y aura, des réallocations de capitaux énormes. Moi, je ne suis pas du tout inquiet actuellement en ce qui concerne une bulle dans ce secteur de durabilité. On est tout au début de cette réallocation. Si on aura ce problème un jour, peut-être, mais honnêtement, ce n'est pas une préoccupation pour moi aujourd'hui. Le problème qu'on a devant nous, c'est qu'aujourd'hui, prenons l'énergie, on ne peut pas fonctionner en tant qu'économie sans carbone. Donc, par définition, c'est cette histoire de transition dont on a parlé. Alors, souvent, j'estime que beaucoup de ces entreprises qui, aujourd'hui, ont de la peine à attirer des capitaux, des flux de capitaux, vont aussi être les entreprises qui vont être à la pointe en ce qui concerne l'innovation technologique. Prenons l'énergie, le secteur d'énergie. Oui, mais si personne, Philippe, je vous interromps, si personne... Si elles n'attirent pas de capitaux, comment est-ce qu'elles vont pouvoir financer cette transition? Puisque plus personne n'a tellement envie de, peut-être, aujourd'hui, il y a l'Assemblée générale de Total, hein, par exemple, pour des questions d'image, c'est peut-être pas très bon d'investir massivement dans Total, qui pourtant a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour mener cette transition. Comment sortir de ce Jean-Laurent a fait tout au début, que nous insistons aussi en tant qu'actionnaires, nous demandons des plans de transition sur le long terme. Donc, prenons une entreprise dans le secteur énergie, il faut qu'il présente des projets de transition. Et donc, si aujourd'hui une entreprise est à des prix très bas, à des valorisations très bas, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas à tirer de capitaux si elle peut démontrer au marché, à la banque pour côté crédit, pour nous côté d'investissement, qu'ils ont des projets de transition qui sont vraiment convaincants. Donc, je pense, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura énormément de changements. Il y aura des entreprises qui vont pas être à la hauteur de ces défis de transition qui vont disparaître. On a dit, le bilan va devenir obsolète. Il y aura d'autres qui aujourd'hui sont punis par le marché, qui vont s'établir en tant qu'agents de changement, qui vont, avec ces projets de transition, attirer du capital sur la durée. Donc, je pense qu'on aura, le point principal ici, on aura énormément de changements de prix relatifs dans l'économie à travers de ces transitions, de ces transformations historiques que notre économie va parcourir sur les années à venir. Merci. Et c'est ça le défi pour l'actionnaire aujourd'hui. Comment allouer ce capital? Et je pense qu'on est tout au début de cette énorme réallocation. Alors, donc on est appelé la science, les académiques, les investisseurs, les banques, pour justement essayer d'anticiper quelles entreprises peuvent réagir aux défis qui nous posent cette transition. C'est comme les banques. Regardez les banques aujourd'hui après la crise. Jean-Laurent et moi, nous avons passé des années dures à cette période. Il y a certaines banques comme la sienne qui ont fait une transition impressionnante, qui ont attiré du capital. Il y a d'autres, notamment dans mon pays, qui n'ont pas changé. Et qu'est-ce qui se passe? On voit bien ça dans le prix de l'action. Donc, je pense que c'est pas très différent de ce qu'on a vécu après la crise financière. Le parallèle est très intéressant, effectivement, avec ce qui s'est passé dans le secteur bancaire après la crise précédente. Effectivement, on a vu certains acteurs
disparaître, d'autres rétrécir et d'autres grossir très vite. Je voulais, il nous reste quelques minutes, est-ce que vous êtes d'accord quand Philippe Hildebrand dit que c'est la plus grande révolution économique de l'histoire, ou est-ce qu'on a déjà, connu un phénomène pareil avec des immenses groupes qui vont disparaître, d'autres qui se créent, enfin on le voit, hein, le capitalisme a l'air en ébullition. À cause, et c'est un des éléments, c'est effectivement cette transition ESG. Catherine. Alors, que dit l'Académie? L'Académie, enfin, bon, moi, en représentant de l'Académie, dit que cette histoire de innovation, création, destruction, elle a toujours eu lieu. Regardez les plus fortes valorisations aujourd'hui dans les sociétés digitales, elles n'étaient pas là il y a 30 ans. Donc c'est, de ce point de vue-là, c'est un peu le fonctionnement de nos économies d'innover et donc de changer de changer de secteur. Après, il y a l'autre grand sujet, qui n'est pas le seul sujet sur le bien commun, mais qui est quand même un sujet qui nous préoccupe beaucoup actuellement, c'est celui du climat. Et là, il y a effectivement quelque chose d'assez singulier, enfin au moins on l'espère, hein, jusqu'au prochain risque majeur. Et c'est cette transition-là qu'il faut effectivement accompagner par la finance, et celle-ci est probablement un peu particulière. Sam, sur le côté historique schumpeterien poussé à l'extrême de ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas de révolution. Je ne crois pas à ça. La révolution, elle est déjà là. C'est la disruption technologique. Ça impacte toutes les catégories. Ça impacte l'ESG comme ça impacte l'armement. On pourrait parler des drones de combat et on pourrait avoir un discours disruptif sur l'application de l'intelligence artificielle et la disparition de certains acteurs au profit d'autres. Donc la révolution, elle est là, elle est technologique. En revanche, ce qui est intéressant, à mon avis, et ça crée des opportunités pour les investisseurs, c'est qu'on a du capital qualitatif. Et jusque-là, on n'avait pas vraiment beaucoup de capital qualitatif. On avait des sous-poches de capital qualitatif. Et donc là, le capitalisme devient intelligent. Il n'est pas intelligent, il est qualitatif. C'est-à-dire qu'il va venir se poser, il va appliquer pour ses critères de sélection d'investissement. Il ne va pas simplement regarder le rendement, il ne va pas simplement regarder la rentabilité. Il va rajouter d'autres critères qui sont des critères qualitatifs. Et ça, c'est la première fois. C'est un peu comme si on disait il y a 50 ans, moi je ne vais jamais investir en Amérique du Sud. Bon, il y a un critère, pas d'Amérique du Sud. Ben là, au lieu de dire pas d'Amérique du Sud ou pas d'Afrique ou pas d'Europe, on va dire je ne vais pas investir dans des bilans qui seront obsolètes dans 10 ans. Vous êtes certain de ça parce que dans l'ESG, là, on voit qu'il y a une tendance qui est en train de monter. Il y a d'ailleurs une directive en préparation sur les droits fondamentaux, par exemple. On peut très bien, dans 2 ans, dire, au fait, on n'investit pas en Chine parce qu'il y a des Ouïghours. Oui, mais, ces critères sont d'évoluer très vite. C'est intéressant, c'est que quand on exclut certains secteurs, eh bien, il y a des acteurs qui les excluent, ça veut dire que ça crée des opportunités pour d'autres. C'est aussi ça, le capitalisme. Faut pas imaginer que demain matin... Il y aura toujours quelqu'un pour financer le vice. Parce qu'à un moment donné, ça va augmenter le rendement de cet investissement-là, et vous aurez des fonds alternatifs qui vont lever de l'argent pour dire « je vais investir dans telle ou telle industrie parce que j'ai un rendement très supérieur ». Et là, ce qui sera intéressant, mais là, c'est que mon propos, hein, ça n'engage que moi, mais peut-être que dans 20 ans, on va avoir le contre-ESG, c'est-à-dire des grands gérants d'actifs qui vont se dire « je vais allouer 5% de mon capital sur des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire parce que mes investisseurs me le demandent, parce que c'est un rendement plus élevé ». Ça peut arriver. Donc on a ce basculement vers un investissement plus qualitatif, et je pense que ça, pour le coup, c'est nouveau. On va terminer là-dessus. Je voulais juste vous faire réagir sur ce propos un peu disruptif, pour le coup. Est-ce qu'il y aura, Philippe Hildebrand, vous disiez on n'a pas d'option, on n'a pas de choix au début de votre propos. Est-ce que finalement on aura toujours le choix, et est-ce que le vice, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans la terminologie, les buy stocks auront toujours des gens pour les financer du fait
de l'importance des rendements qui vont offrir la rentabilité du capital qui... Est-ce qu'il y aura toujours quand même une alternative ? Oui, dans certains secteurs. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Mais si on revient au climat, je pense tant que l'état de droit, le cadre qui est mis par les gouvernements pour arriver à ces objectifs net zéro en 2050, je pense là, le trajectoire pour moi est clair. Il n'y aura pas d'alternative. Il faut trouver des moyens d'investir en alignement avec ces objectifs politiques de nous amener vers net zéro. Donc, l'état de droit est très important dans ce contexte. Mmh. Il nous faut que le cadre reste stable, le cadre de direction, le cadre de l'état de droit. C'est pour ça que ces commitments des États qui ont été pris sont tellement importants. Pour le moment, les États, ils ne savent pas comment y arriver. Mais même le fait qu'ils ont dit, il y a 127 États aujourd'hui qui ont dit « on va y arriver », ça... Seul ça a déjà déclenché un mouvement très important. Donc, je pense que tant que l'état de droit, comme on dit, ou le cadre des gouvernements reste en place, je vois mal qu'il y aura tout d'un coup un renversement de cette réallocation de capital vers la durabilité. Alors, BlackRock nous explique qu'il faut faire confiance à l'état de droit pour fixer ce cadre et éventuellement réduire ses alternatives. Est-ce que vous partagez cette vision, Jean-Laurent Bonnafé? L'état de droit, ce n'est jamais que la représentation des cultures et de ce que pensent fondamentalement les personnes. Hein. Mais le droit évolue vite en la matière. Vite et pas si vite. Enfin, bon. Personnellement, je ne partage pas complètement le propos là, qui vient d'être développé. Moi, ce qui me semble caractériser le moment présent, c'est que nous, les personnes, les humains, on est de plus en plus nombreux. Il faut que tout le monde soit inclus au sens participe à la vie économique, accède à la formation, besoin de santé. Et d'un autre côté, on découvre quand même que la planète est finie en termes de ressources. Et il est impossible, bien sûr, que la prochaine révolution industrielle nous paraîtra encore plus gigantesque dans 30 ans par rapport à celle-ci. C'est toujours comme ça, ce qui est neuf est toujours plus impressionnant, ne serait-ce que parce que c'est inconnu. Donc c'est plus impressionnant. Mais ce qui est peut-être particulier à la circonstance du moment... c'est que d'un côté, nous sommes de plus en plus nombreux et plus personne n'admet l'idée qu'une fraction ne pourrait pas accéder à la formation, etc. Et en même temps, on découvre que quelque part, quand même, la planète est finie. Et moi, je pense que c'est en ça que probablement que la circonstance est unique ou particulière. Après, la révolution technologique, elle est en marche depuis plus de 30 ans. Et 30 ans auparavant, elle était aussi en marche, mais dans d'autres secteurs. Enfin, voilà. Mais il me semble que c'est ces deux sujets. Nous sommes de plus en plus nombreux et tout le monde doit participer de façon positive et avoir sa chance, hein, c'est la notion d'égalité des chances. Et par ailleurs, la planète est finie. Ça, je pense que c'est une grande caractéristique. Et ça demande forcément des approches un peu différentes puisqu'on raisonne sous contrainte. Jusqu'à présent, on avait souvent eu, au moment d'une technologie nouvelle qui apparaissait, un peu ce sentiment qu'en tout cas, pour un bon moment, la ressource serait limitée. Là, c'est exactement le sujet inverse. Et c'est pour ça que probablement, on n'aura pas sur un domaine donné une solution unique, une technologie unique. Parce que même si c'est la meilleure technologie, elle va saturer les moyens disponibles. Donc il faudra aller sur une technologie un peu différente, un peu moins bonne, un peu moins performante, mais qu'il ne faudra pas... Donc, par exemple, quand on regarde la transition dans le domaine de l'énergie, on sait très bien que compte tenu de notre point de départ et compte tenu de ce qu'il faut faire, pour un moment, on ne peut pas tout de suite basculer dans quelque chose qui est définitivement la solution. Il faut probablement avoir un peu de gaz, il faut probablement avoir un peu de nucléaire. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est une réalité de fait. Et puis petit à petit, on va progresser. Donc moi, personnellement, la circonstance, enfin le moment présent, je le sens comme étant la planète est une dimension finie, il faut y faire très très attention. C'est la transition, mais c'est la biodiversité qui est un sujet peut-être encore plus compliqué que le sujet de la transition. Hein. Parce que la transition, c'est souvent remplacer des gammes de technologies par d'autres gammes de technologies. Et la biodiversité, c'est l'inverse, c'est... Il faut en fait que je privilégie tout, y compris des choses qui peuvent paraître un peu moins performantes. Mmh. Et ça, c'est plus compliqué pour les entreprises. Hein. Parce que pour une entreprise, passer d'une technologie A à B, c'est jamais facile, c'est toujours compliqué. Il faut investir, il ne faut pas se tromper, il y a le risque d'entreprendre, etc.
Mais fondamentalement, c'est ce qu'ont toujours fait les entreprises. Je fais évoluer mon portefeuille, mes organisations. Là, c'est s'assurer qu'à tout moment, je suis suffisamment diversifié, là je parle de la planète, pour, s'il se passe quelque chose d'inattendu, c'est le virus, je peux me retourner sur quelque chose d'autre. Et ça, c'est une notion qui va être très très compliquée à faire rentrer dans le monde économique, parce que nous ne sommes pas formés, moi je le dis, hein, dans notre grande majorité, dans nos cursus, dans nos... on a toujours l'idée qu'il y a quelque chose qui est un peu mieux ou au-dessus. Et cette idée qu'il faut de tout, c'est une idée un peu particulière. Mmh. Donc la biodiversité, c'est ce qui nous attend assez vite aussi, et à mon avis, on va en parler. Je pense que dans 10 ans, si on est malin, si on se débrouille bien, on aura fait la moitié du chemin sur la transition, j'espère, et on verra assez lisiblement la deuxième moitié. Il vaudrait mieux terminer en 2040 que 2050. Mmh. Mais au même moment, on va découvrir autre chose qu'est la biodiversité. Donc moi, c'est ça, à mon avis, qui fait le caractère unique de ce que nous vivons actuellement. Catherine, je vais vous demander de clore notre table ronde. C'est vous qui l'aviez introduite. Est-ce que vous partagez cette vision à la fois d'urgence, de caractère, pour le coup, historique, peut-être de sentiment de finitude, de danger de la planète? C'est peut-être arrivé quand même avec la bombe atomique, je me suis toujours dit ça. Sur le côté de bon père de famille, bonne mère de famille de Jean-Laurent Bonnafé, en disant par exemple sur le mix énergétique, attention de ne pas se ruer sur une seule technologie renouvelable, par exemple. Alors, trois questions, quelques secondes. Non, juste une phrase pour dire, moi je rejoins votre propos sur la biodiversité, c'est probablement le nouvel enjeu, comment concilier l'économie avec la biodiversité et le fait que ben voilà, nos ressources sont finies et on n'a pas forcément les manières de voir les choses ou les modèles actuels qui permettent de prendre ça bien en compte. Donc ça, je m'attends à ce que ça soit vraiment une préoccupation et des industriels, des praticiens, des financiers et aussi des académiques. Ça a commencé d'ailleurs, il y a un joli rapport qui s'appelle The Economics of Biodiversity qui vient de sortir et qui explique tous les enjeux actuels. Bon, eh ben écoutez, on va attendre d'avoir des normes mondiales de biodiversité. On se retrouvera en 2050, je pense. Merci beaucoup, Philippe, de votre participation à distance. Bonne chance en Suisse. J'espère que vous allez réussir à en sortir. Merci Jean-Laurent Bonnafé, Sam, Catherine, merci infiniment. Merci. Ce débat était très riche et on va laisser la place à une autre table ronde sur les enjeux de la santé. Très bien. Merci. Merci.